Il était une fois en Allemagne, un petit village qui s'appelait Hamelin. Ce village était prospère, les gens étaient riches et aisés, et ils ne pensaient qu'à faire la fête, à festoyer. Ils ne s'occupaient pas beaucoup de leurs enfants. La veille de Noël, tout le monde était occupé à préparer la fête. Par-delà la ville, on sentait les odeurs de tourtes, de gâteaux, de rôti, et pendant que tout le monde était affairé aux derniers préparatifs, personne ne vit qu'un rat était rentré dans la ville, suivi par un second. Et cinq minutes après, des dizaines de rats. À la fin de la journée, la ville était couverte de rats. Les gens prirent peur, ils se barricadèrent chez eux. Et ils fermèrent à double tour, fermèrent les volets, fermèrent tout, mais ça n'empêchait pas les rats de passer sous les portes, par les fenêtres, et même de rentrer par les cheminées. Et là, une fois dans la maison des gens, ils se jetaient et se ruaient sur les plats que les gens avaient préparés pour Noël. Ils ont tout dévoré, absolument tout. Il ne restait plus rien. Le lendemain matin... Les gens virent qu'il ne restait plus rien à manger, mais ça ne décourageait pas les rats. Les rats continuèrent, ils s'attaquèrent aux pieds de chaise, aux tables, au lit, ils mangeaient les oreillers. Et le soir, ils venaient même grignoter les mollets des gens. À la fin de la deuxième nuit, les gens excédés décidèrent d'aller voir le maire. Ce n'est plus possible, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut trouver une solution. Bien. Le maire décida d'aller voir l'apothicaire pour qu'il lui prépare un puissant poison. Mais les rats étaient tellement forts, tellement malins, que ce poison, ils le mangeaient comme si c'était des friandises. Ça ne marchait pas. Bon. Là, le maire décida de passer une annonce. Mille pièces d'or J'offre mille pièces d'or à qui me débarrassera des rats! Le lendemain, un étranger fit son apparition. Grand, coiffé d'un chapeau et d'un grand manteau noir, il se dirigea vers la mairie, alla voir le maire et. Il paraît que vous offrez mille pièces d'or si on vous débarrasse des rats? Oui, dit le maire. Mais qui es-tu On m'appelle le joueur de flûte. Et je sais comment faire disparaître les rats. Bien, fit le maire, bien. Montre-nous ce que tu sais faire. Là, le joueur de flûte se dirigea vers la place centrale du village, sur la place du marché. Et il sortit de sa poche une petite flûte en bois noir. Il la porta à sa bouche et commença à jouer. Un air mystérieux. À cet air mystérieux, un peu étrange, les rats se précipitèrent autour de lui. Là, le joueur de flûte continua à jouer son air mystérieux et un peu angoissant, et il se dirigea vers la sortie de la ville, là où coule une rivière. Les rats le suivaient toujours, et le joueur de flûte, à un moment, s'immobilisa juste devant la rivière, et les rats, eux, continuèrent leur chemin et finirent noyés dans la rivière. Le joueur de flûte rangea son instrument et se dirigea vers la mairie. Là, il croisa le maire et lui dit Eh, hey, ça y est, j'ai fait mon travail, je veux mes mille pièces d'or. Mille pièces d'or pour ce petit air de flûte de rien du tout là. Tiens, voilà cent. Mais signe-toi heureux. Le joueur de flûte regarda fixement le maire et lui dit D'accord. Vous le regretterez. Et il quitta Amle. Là, le cours de la vie reprit, les gens festoyer, fèf, firent la fête, et le maire se targua même d'avoir joué un vilain tour à l'étranger. Quand tout à coup, on entendit une musique un petit peu étrange et un petit peu joyeuse aussi, et là, tout le monde comprit que le joueur de flûte était revenu. Là, le joueur de flûte prit place sur la même place du marché, il sortit, encore sa même flûte, rejoua cet air joyeux et tous les enfants de Hamelin se précipitèrent autour de lui. Le joueur de flûte prit l'allée centrale et il sortit du village suivi par les enfants qui avaient l'air de bien s'amuser et on le vit partir au loin. Les, les parents essayèrent bien de retenir leurs enfants mais... Les enfants continuaient à suivre le joueur de flûte et à un moment donné, la montagne s'ouvrit, les enfants s'engouffrèrent, la montagne se referma et les enfants disparurent. Mais de temps en temps, quand le vent souffle de la montagne en direction du village, on peut entendre le rire joyeux des enfants.